Salut tout le monde, c'est Kouzé, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Hyrule Warriors. Donc oui, j'ai testé ce mode on va dire, mais c'est pas passé grand chose en fait, enfin niveau... Enfin voilà, en gros ça vous changera rien pour vous que je l'ai testé, de toute façon on le fera quand même. Et on va commencer par le premier, en soi le mont du péril de Ocarina of Time. Et donc on va prendre Impa, que j'ai un peu monté en niveau. Donc ouais, ben pour l'instant la meilleure arme qui est c'est celle-là. Donc on va prendre celle-là tout simplement. Et là je vous laisse lire. Leading a small force of Hyrulean soldiers, Impa stepped into one of the newly opened portals. The kingdom spread out before her seemed like the Hyrule she knew, yet it was somehow very different. Before long, she realized that they had traveled back to the era of the mythical hero of time. Awed, Impa began her search for the Gate of Souls. She sensed an evil presence on Death Mountain and set out for the ominous peak. And with her came the mysterious Sheik. Et oui, donc on voyage au temps du héros de Ocarina of Time, donc du Link qu'on connaissait. Tu aurais très bien pu suivre Link ou Lana, alors pourquoi as-tu choisi de venir avec moi? Je te trouve très suspect. Tu dis être un survivant du clan Sheikah? Alors j'imagine que tu connais le nom du chef du clan. Impa, c'est bien ça? Tout à fait. Il n'y a personne du nom de Sheik dans mon clan. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu manigances? Je vous en prie, aidez la princesse Ruto. Ruto, c'est la princesse du domaine Zora. La princesse Ruto a été enlevée par les Gorons. Darunia, le chef des Gorons, était quelqu'un de droit et jovial. Mais depuis, il a rencontré une certaine Zelda, il est tout à coup devenu très agressif. Zelda? Son Altesse Zelda est dans ce monde? Quoi qu'il en soit, allons voir. Très suspect tout ça. Car je ne pense pas que Zelda soit capable de faire de telles choses. Hop là. Donc normalement, vous avez pu capter qu'il y a quelques nouveautés au niveau des combos. C'est-à-dire, enfin, je vous expliquerai plus en détail par la suite. Voilà. En tout cas, vraiment très stylé les combos comme d'hab. Niveau gameplay pour l'instant, je crois que c'est Impa que j'aime le mieux. On va aller par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord, je m'en rappelle de ça. Même qu'on devait avoir les... Comment dire, on devait avoir les bottes en ferraille là pour pouvoir stopper tout ça. Ça c'est fait. Vite par contre. Non, c'est pas toi que je voulais. Non, c'est pas grave. Donc l'arc. Voilà. Là, vas-y. Et bim. Ils sont de plus en plus résistants les ennemis. Ah mais en fait je crois que j'ai gardé le mode normal. Oui, c'est peut-être pour ça. Bon bah c'est pas grave. On va remettre en mode facile après. Oui. On espère qu'il n'y ait pas de boss. Sinon ça craint pour moi. Tac, c'est bon, on peut y aller. On va juste aller prendre tout ce qui traîne un peu. Donc ça, voilà. Oh les Gorons, on se calme. Hein.
Wow. Ouf. Ah merde, faut aller là-bas. Là, ça crée. Oh. Ok, faut qu'on aille abattre celui qui fait ça, je pense. Qui est je ne sais où. Voilà. Ça s'est fait la moitié de la base en moins. Hop là, on se refait le coup. Hop là. Oh, un petit coffre qui vient d'apparaître. Je vais d'abord te défoncer toi parce que je t'aime pas. Oria. Voilà. Je rentre chez toi. Donc moi je prends le coffre. Qui apparemment est un gros coffre. Peut-être une arme. Et voilà, une nouvelle arme. Pour je ne sais quel perso. Enfin, on verra bien. À mon avis, ça doit être pour Impa ou pour Sheik, hein, parce que je vois pas pour qui ça pourrait être d'autre. Ou à des rochers tombent sur la base, allez, vite. Faut aller défoncer l'autre zone. Voilà. Ça c'est fait, comme ça tu feras pas chier le monde, ouais. Hop là. Ça c'est fait. Oui. Et si. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais il est là le chef. Mais il est mort. Voilà, on prend tout. Allez, le petit cœur. Mais écoutez, normalement, toute mission, elle est finie, là. Attends, on va juste défoncer toi. Voilà. Les déboulements se sont arrêtés. Mais ça, il y en a 15 000. Voilà. Bowling, carrément. Voilà. On va essayer... Non, faut monter par là-bas. Ou en danger. Ah, c'est là-bas. Qui est... Faut les limiter d'Arunia. Voilà, donc nous on prend les zones en même temps. Mais oui, mais on peut pas accéder à la... Parce que c'est fermé. Ah, vite. Voilà. On va juste défoncer lui là. Est-ce que t'arrêtes de faire chier mes alliés? Voilà. Donc il est descendu. Ah mais c'est lui. D'accord. Je me rappelle de toi. Tu fais le malin avec ton marteau, hein. Ok. Oula. Voilà. Léa. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on dit? Hey, il y avait un bug, il avait l'eau sur la tête encore. Il y a eu un bug. Voilà, oulia. Ça fait du bien. Ouh, je l'avais pas fait ce combo là. Il est stylé en plus. Ça c'est celui de l'eau. Je crois que c'est au dernier moment qu'il faut le faire. Voilà. Bientôt fini de doigts. On va te finir comme ça. Oulia. Bon bah attends. Niveau 20.
Vous avez vaincu Darunia. Bon, ça devait être le sous-boss. Hop là. Oh, calmez-vous un petit peu. Donc, allez maintenant ouvrir. Il s'est enfui. Ah d'accord, on l'a pas battu, il s'est enfui en fait. D'où vous avez reçu des enfants? Oh putain, il y en a qui balancent des... Oh toi là. Courage, je t'ai pas vu. En fait, le truc, c'est qu'il faut sûrement attendre le dernier moment. Genre là, voilà. Vraiment trop stylé ces combos, c'est un truc de malade. Ah, il y a une plante là-bas apparemment. Voilà, on l'a eu. Attends, venez là. Voilà. Voilà. Et voilà, et de 49. Ça se fait. Voilà, il est là le chef. Un petit coffre. Attendez. Bon, s'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a le boss final qui est pas très loin. Hop là. Aouh. Allez, on va prendre. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un réceptacle de cœur. Donc à mon avis ouais, je sais pas si notre barre elle a augmenté d'un cœur ou pas. Il nous est indispensable pour le plan. D'accord. On arrive. C'est bon, j'arrive. Hop là. Et pourtant... Ah genre, il y a Darunia là. Carrément. Arrête de... Elle m'en fout. Pas d'éveil. Voilà. Je crois que je l'ai. Oula, j'ai fait un truc bizarre. C'est pas grave. Allez hop. Attends, faut que je batte Darunia. J'arrive, mais avant, je batte Darunia. Enfin, pour une deuxième fois. Voilà. Éliminer Darunia, bah c'est bon. Il est mort. Oh putain de merde. Qu'on récupère notre base. Voilà. Faut vite qu'on aille aider Shake maintenant dans l'autre zone. Désolé, j'ai pas le temps pour vous. Voilà. Vite. Bon, Baba Mojo. Voilà, ça se fait. Voilà, il devrait pas y avoir de problème pour vous faire ça normalement. Enfin, normalement, parce que là, on voit bien que vous avez galéré. Hein. Voilà, mesure puissante. Wouli. Bon. Ah, il est où le chef? Merde, je sais même pas si je l'ai touché depuis là. Apparemment, non. Et si. Bah, il est où? Et voilà. Allons là-bas. Tan tan. Voilà, boum boum. Ça c'est fait. Lâchez-moi.
Hop là. La sculpture là s'est enfuie. Ah oui putain, faudra peut-être que j'en capture une, un de ces quatre. Un de ces quatre. Peut-être. Ouais, toi tu vas me laisser ça. Voilà. Gros. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire le steak, c'est bon. Voilà. Hop. Ah, c'était encore vivant, genre. Voilà. Capitaine Gorum. Et attendez, Shake. Putain, mais elle fait chier, attends. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, chef de poste, là. On va se le faire. Comme ça, nos alliés, ils arrivent. Voilà. Voilà. Donc. Alors, où c'est qu'elle va, Shake? Bah, elle est là. On lâche moi, toi. Voilà, on bouge là-bas. Alors, si tu peux mourir, s'il te plaît, ce serait sympa. Ok, elle est où? Bon, elle peut. Bouge-toi un peu. Bon. Je vais faire ça, comme ça tu pourras passer. Voilà. Bah voilà. On va prendre tout ce qu'il y a, histoire de se booster un peu. Bon, bah ensuite on va monter. On va monter là-bas. Ok, ça a ouvert une sortie, ok. Ça a ouvert une entrée plutôt. Pluton. Plutôt. Plutôt oui, parce que Pluton. Pourquoi je dis ça? Alors. On va capturer cette zone également. Pas avec un gameplay bien stylé en tout cas. Là. Boomerang bah amélioré du coup. Attends, on va prendre les bombes parce qu'il y a une pierre là. Voilà, une pierre de vie. Moi je veux juste. Darunia, putain il est encore là lui. Attends, on l'a battu 4 fois carrément. Bah ingénieur, tu restes là si tu veux. Allez hop, allons vaincre Darunia. Salut. Voilà. Tu veux pas mettre mon truc là, histoire que je fasse un combo Allez. Putain, y'a un moche aussi, putain. Voilà. Allez, bien sûr. Tel combo, enfin franchement ce jeu. Il dit que je suis accro. Voilà. Oula. Ça j'ai pas fait exprès mais. C'était bien stylé. Non, tain, je me serais pas pris. J'aurais pu. Fais ton truc là. Voilà. Oula, ça lui a fait mal. Ah non, en fait il est pas mort. Je croyais que je l'avais one shot. Bah. N'a plus pas chier.
Et voilà, mission accomplie. Darunia, il est mort. Donc apparemment, c'est la fin de la mission parce que je peux plus bouger. On se rend. Désolé pour toute cette violence. On n'était pas dans notre état normal. Vous voulez bien relâcher la princesse Ruto? Je prends tout ce qu'il y a. Oui, bien sûr, c'est pas très sympa ce qu'on a fait à cette princesse. Oui, bah oui, tu te rends compte. Darunia a retrouvé ses esprits et a libéré Ruto. Tu es un peu bizarre comme princesse. Quelle mésaventure, je suis Ruto, princesse des Zora. Vous voulez que je vous parle de Zelda? Très bien. Cela s'est produit il y a quelques jours. Et j'aimerais bien savoir la suite. S'il vous plaît. Je tourne autour de elle. Ouais. Bon. Voilà la petite scène de fin de Impa. Et voilà. Trop steak. Donc, 9000 rubis. On a une nouvelle épée. Une épée lourde forgée selon les techniques goronesques et au tranchant incomparable. Utilisez l'attaque spéciale pour vous rapprocher très vite de vos ennemis. Donc on a une nouvelle épée à 180. Donc épée divine, ouais. Tac, tac, tac. On peut jouer avec Darunia. Ah, avec Darunia on peut jouer, genre. Marteau magique. Présentation de Darunia. Présentation de Ruto. Et donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Et la prochaine fois, donc, on fera le Temple de l'eau, un donjon, un des plus difficiles, il me semble, de Ocarina of Time, le donjon de l'eau. Et du coup, comme vous voyez en bas, le personnage conseillé, c'est Shake. Et donc, on prendra Shake, évidemment, pour le prochain épisode. Donc moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne. À plus !